là aussi. Manoucha, qui est responsable de la danse et qui travaille également à mes côtés en maternelle. Je vais appeler bien évidemment Madame Baden, qui est notre ancienne directrice et responsable de l'arménien. La retraitée. Non, non, elle n'est pas retraitée. Non. La retraitée. Amandine, la maîtresse de cycle 3. J'ai failli oublier Amandine. C'est pour ça que j'ai bien noté le prénom de tout le monde. Ensuite, on a Monsieur Hachdaramian, qui est le président du conseil d'administration. Je vais appeler l'équipe du conseil d'administration. Marinette, Annie Cassikian. Resserrez-vous un peu s'il vous plaît. Je vais également. Alors il va plus rester personne dans la salle parce que j'appelle tout le monde. Les responsables, l'association des parents d'élèves avec Tala, la présidente, et toute l'équipe de l'APE. Tala, il y a Nadia, Emmanuel, Barbara, Jana, Hélène. Je ne sais pas si j'ai oublié quelqu'un de fini. Serrez-vous s'il vous plaît. Passez derrière, serrez-vous. Et toutes les nouvelles recrues sont les bienvenues. Si vous voulez donner un coup de main à l'APE. Donc je vais pouvoir. Donc je vais commencer par vous donner les nouveaux effectifs. On a cette année 78 élèves. Donc 19 élèves en toute petite section, moyenne section. J'ai vu un élève, 20 élèves, pardon, donc 79. Je peux pas parler. 24 élèves en grande section, CP-CE1. Et 33 élèves en CE2, CM1, CM2. Donc la classe de cycle 3 est complète, mais il reste encore quelques places en maternelle et dans ma classe. Alors, cette année, une nouveauté. Mais je vois que les parents sont aussi dissipés que leurs élèves, leurs enfants. Donc, cette année, une nouveauté. On va mettre en place. L'éducation nationale a mis, en plus des CPCE1, des évaluations en CM1, en français et mathématiques. Donc ces évaluations commenceront la semaine prochaine, le 11 septembre. Elles se dérouleront sur 2 semaines et elles vont permettre aux maîtresses d'identifier les besoins des élèves afin de pouvoir s'adapter nos pratiques. Bon, étant donné que nous suivons nos élèves sur 3 ans, on connaît déjà leurs points forts et points faibles, mais c'est toujours bien d'avoir un état des lieux en début d'année. Ensuite, en tout cas, pour l'instant, même si le nouveau variant commence à montrer le bout de son nez, mais on va, comme tous les ans, comme ces quelques années, veiller à l'application des gestes barrières. On va mettre également en place cette année un projet intergénérationnel avec les pas de la clairière qui se trouve un peu plus haut, qui va se traduire par du jardinage et des ateliers en arbre plastique. On invitera également les résidents de cette EHPAD à venir assister aux différentes manifestations que nous organisons tout au long de l'année. Ensuite, nous allons continuer à proposer les cours de guitare.
C'est avec Bugatian qui dispensera les cours. Dans le courant de la semaine, j'enverrai un petit message pour, avec ses coordonnées pour toutes les personnes qui sont intéressées. C'est à partir du CPCE, hein, à partir de 6-7 ans, etc. Et ensuite, on aimerait mettre en place, toujours pendant la pause méridienne, comme les cours de guitare, des cours d'échecs. Si on a des parents d'élèves volontaires pour animer ces ateliers, vous pouvez venir vous rapprocher de la direction et on pourra, à partir de la semaine prochaine ou dans 15 jours, mettre en place ces ateliers d'échecs une fois par semaine. Je vais maintenant donner la parole à M. Gérardin. Ah, si, je vais donner la parole à Mme Badet. Bienvenue pour cette 36e rentrée scolaire. L'école continue avec le programme de l'éducation nationale au plus haut niveau. La citoyenneté et aussi des cours de langue, culture et tradition arménienne. Nous avons deux nouveautés cette année, extrêmement importantes. Quand nous avons vu la créativité de nos élèves, surtout pendant les fêtes de Noël et fêtes d'année scolaire, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment de potentiel extrêmement important. Et nous avons décidé, avec l'association des parents d'élèves, la direction et les enseignants, de mettre en place des sessions samedi après-midi, des ateliers. Il y aura, et en plus de ça, c'est les enfants, les représentants des élèves qui ont décidé ces ateliers, qui peuvent aussi évoluer. Premièrement, des ateliers cinéma. Tout le monde connaît les vidéos YouTube Tali, de quoi Ukraine les a fait venir il y a la dernière, je crois. Aujourd'hui, quand vous mettez Tallinn devant les enfants, à la maison, tout le monde se fait, puis ils sont pris par tout le travail qui a été fait par Tallinn, les danses, d'Armiel, etc. Imaginez, nos enfants vont faire la même chose pour les tout petits, 3, 5 ans, 6 ans, style Tallinn, et pour les plus grands, sur des sujets d'actualité, sur la culture, tradition, musique arménienne, ils vont tourner des films vidéo qu'on va mettre sur YouTube. Nous allons mettre en place tous les moyens pour que cette nouvelle initiative réussisse. Ils vont être scénaristes, acteurs, actrices. Ils le font déjà pendant les fêtes, les différentes fêtes, ils le font. Mais
ils vont le faire chaque samedi. Et il y aura des présentations de spectacles qui vont être organisés ici au complexe Marsamian tous les 3-4 mois suivant les résultats. Voilà, ça c'est le premier atelier. Alors pour ça, nous avons besoin des volontaires. Des volontaires qui peuvent jouer avec les enfants, qui peuvent aider au niveau des décors, au niveau des costumes. Nous allons lancer un appel à la communauté arménienne en général. Et ça sera une première, je ne pense pas qu'il y a une deuxième école à Nice qui fait ça. On peut faire demain des tournages à la Victorine, au studio de la Victorine, pourquoi pas. Et ça va permettre en même temps que l'école soit connue au niveau mondial. Parce que tout le monde est sur YouTube. Au lieu de voir des films vidéo YouTube de Tallinn, on va voir les films vidéo de nos enfants. Que ce soit aux États-Unis, au Japon, n'importe où à travers le monde. À travers YouTube. Voilà, ça c'est le premier programme. Pour ça, il y aura ramassage des bus, des samedis. On vous a dit, on va mettre tous les moyens pour que ces deux projets réussissent. Et ça, c'est les enfants qui ont décidé. Le dernier jour de l'école, on les a réunis. Il y avait quelques anciens de l'école, quelques élèves qui sont actuellement en classe. Et c'est eux qui ont décidé. La deuxième chose, c'est un atelier jeux vidéo. C'est aussi les enfants qui vont décider quel jeu ils veulent jouer. Ici, nous avons un grand écran, nous avons un vidéoprojecteur. Ils peuvent être 40-50 à jouer ensemble, mais des jeux éducatifs. Et pour ça, c'est Eric Koch qui est ici, qui a accepté de nous aider bénévolement pour animer ces jeux vidéo. Eric, qui te présente. Comme ça, tout le monde te voit. Eric n'est pas d'origine arménienne, mais c'est un garçon adorable. C'est le fils d'un ami très proche. Un garçon qui a beaucoup, beaucoup de valeur. Il est fan des jeux vidéo. Alors il va montrer la voie aux enfants à travers les jeux vidéo. Comment c'est le bon côté des jeux vidéo. Alors, nous avons besoin pour ça de toutes les associations, en commençant par le foyer culturel arménien, au niveau du cinéma, l'Union des Dames arméniennes de Nice, et toutes les autres associations, nous avons besoin pour qu'on travaille ensemble. Et on peut faire la même chose avec l'école de Mercredi aussi. Vraiment, vous savez, le mal des Arméniens, malheureusement, c'est qu'on soit désunis. Quand on est unis, on peut reconstruire le monde. Il ne faut plus qu'on se rigole, il ne faut plus qu'on rigole les uns sur les autres. Il faut qu'on soit fiers des uns des autres, au lieu de rigoler. Et il faut voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Parce que aujourd'hui, les Arméniens, devant la situation en Arsa, ils parlent nous. Ils font des manifestations devant l'ambassade d'Azerbaïdjan, ils se font embarquer par la police, etc. Si nous n'avons pas d'union, on n'existe pas. Nous n'existons pas. Voilà. Alors, c'est Garek qui me fait signe pour que je sois vite, je passe vite. Alors, je voulais remercier en même temps notre conseil d'administration. L'association des parents d'élèves et les enseignants, la direction, pour cette nouvelle année, 36e anniversaire. Voilà. Nous avons d'autres projets qui vont arriver aussi. Et nous sommes dans votre écoute. Il y a un nouveau minibus qui a été acheté cette année, de 22 places. Avant c'était 19 places, maintenant 22 places.
progress. Il y a tout à l'heure qui voulait dire quelques mots au président de Pachmélé. Bonjour à tous. Je me représente, je m'appelle Tala, je suis à donc je suis la présidente de l'association des parents d'élèves avec la super équipe qu'on a ici. Je voulais simplement vous dire, je fais très rapide, je ne vais pas m'éterniser. On va lancer en début d'année là un sondage. Donc s'il vous plaît, écoutez-moi bien, c'est très important. Je vais avoir besoin de la participation de tous les parents parce que c'est un sondage qui va vous demander si vous êtes intéressé ou pas par une garderie après l'école. Donc c'est très important, je sais qu'il y a une demande assez importante pour une garderie qui se fera après les cours, donc de 16h30 à 18h. Donc on aimerait vraiment mettre ça en place, c'est quelque chose, je pense, qui est important et utile. Donc si vous pouvez répondre au sondage rapidement pour qu'on puisse mettre les choses en place, soit, je ne sais pas encore cette année ou la rentrée de l'année prochaine, mais on va s'y mettre déjà maintenant pour être plus efficace. Voilà, je vous remercie beaucoup et à très bientôt. Je vous prête comme d'habitude. Je voudrais vous annoncer aussi que l'école de mercredi Bioria sera ouverte prochainement. Le 20 septembre. N'oubliez pas d'envoyer vos enfants à l'école de mercredi Bioria. Tout le staff, le conseil d'administration est là. Ils seront ravis de recevoir le mercredi après-midi à partir de 14h. Jusqu'à 17h. Voilà, elles sont là, il faut les encourager, elles font un travail extraordinaire de tous les années. Voilà. Et le foyer culture armier qui est ici, qui fait aussi la danse, la culture. Voilà, merci de votre présence. Voilà, merci beaucoup. Juste une dernière petite chose, le prochain événement que nous organisons, c'est la fête de l'indépendance, le jeudi 21 septembre. Et éventuellement, on demandera au foyer culturel de nous aider à organiser cet événement avec toutes les associations, voir ce qu'on peut faire ensemble. On commence par le 21 septembre et après, il y a le reste. Avec une délégation de la ville de Nice, à Dalmini, du 18 au 22 septembre, avec le premier adjoint et d'autres adjoints. Moi, je ne serai pas là, c'est important d'organiser le 22 septembre ici. Merci beaucoup et excellente année. Merci. On va inviter les responsables d'association à la salle de réunion pour une petite...